Va sous l'eau là, arrête de... Ouais Gwen, moi je parierais sur le manoir. Ah mince. J'arrose les radis. Et j'arrose aussi, je ne sais pas trop quoi. Chloup, chloup. Récupère la ressource. Là. Alors. Comment tu vas toi? Toi tu vas bien. Il est où l'autre? T'es là. Toi tu vas bien. Ah le voilà. Laissez-moi lui parler. Ah. Voyageons. Du coup, tu veux qu'on aille d'abord essayer la villa Manoiro là ou... On peut, ouais. Ou qu'on essaie d'abord la mine. N'importe. Bon, allez. C'était où déjà la villa? Ah, c'était là. C'est peut-être lui là. Yes. Oui. Bon, bah écoute, c'est juste à côté. Yeah! Ouais. Avant qu'il fasse nuit, il l'a fait. The cat est intelligent. Oui, elle s'en rend enfin compte. Ah mais je n'en ai jamais douté, hein. Bon bah attends, moi j'ai filé. C'est pas parce que j'arrive pas à retenir mon propre nom. Si c'est du fil d'Aphodil. C'est pas bien compliqué. La quête dans les nuages? C'est la quête en rapport avec Gwen. Nice. Donc on va au bon endroit. Très probablement. Voir ce qu'il y a de ce côté-là, il y a un truc. Je sais que c'est pour nous bloquer, mais je voulais voir à quoi ça ressemblait. Et à chaque fois, tu avances et moi je suis en mode... C'est terrible, chat. J'ai l'impression que la porte s'est ouverte toute seule tout à l'heure. C'est vrai. C'est vrai? T'es pas folle? Mais... Stella, je suis désolé. T'aurais pu prévenir avant de partir. Je suis désolé d'y avoir même pensé. Finir ses jours dans la maison de sa famille, c'est si cliché. Je ne me comprends pas, moi non plus. Je pense que je voulais seulement que ça s'arrête, tu sais. Décider selon mes propres volontés comment partir. Et ne pas me laisser prendre. J'ai été faible, excuse-moi. Quelqu'un qui marche là, on t'entendait pas, non? Mais oui. Mais oui. Je pense pas que ce soit un jeu, on risque vraiment quelque chose. Ah oui, j'ai pas dit qu'on risquait quelque chose, je disais juste qu'il y avait quelqu'un. Tout va bien se passer. Mais... Tu as un chat avec toi. Mais je sais. Quelle ironie. Ah merde, je me sens si égoïste maintenant. Mm. Parfois, j'aimerais être comme toi. Mais pas souvent. Pas souvent. Non, merde. Fais-moi un câlin. Viens là, grande folle. Oh là là, la dalle. Bah évidemment, elle s'est barrée comme une... Tiens, prends une tasse de café avant, au moins. Variété, s'il te plaît, enfin. Bon, alors, prends un pop-corn. Maintenant, prends ton câlin. Et tu me laisses tes bonus, hein. Tu t'en vas pas sans me laisser quoi que ce soit, hein. Merci beaucoup. J'en avais besoin. Tu t'en sors toujours.
C'est qui là qui se balade dans la maison? Après, on sait qu'il y a un Jean-Louis, hein. Ah, c'est vrai qu'il y avait Jean-Louis là-haut. Parlez à Gwen sur ton bateau. Pardon. Je pensais pas qu'elle allait revenir. Moi, je te suis, hein. Attends, t'es parti sans moi, là. Falloir aller dormir, j'imagine, pour que tu puisses lui parler. Oh, putain. Oh, les ronchons. Oh là là. Ça dort quand il faut pas que ça dorme. C'est bon. C'est bon, t'as mis ta scie au four, là. Y'a pas eu la dîme, mais je pense que c'est pas celle. Alors, tu aimes ma tenue pervenche? Incroyable. Du courrier. Oh, une lettre d'Olga. Merveilleux, ça. Alors, attendez donc. Nous avons une lettre d'Olga pour Astrid. Ah bah, écoute. Astrid, après avoir discuté avec toi ces derniers potins, j'ai oublié de te dire quelque chose. J'ai trouvé ceci en feuilletant un magazine, et ça m'a fait penser à toi. C'est certes quelque chose qui est à la hauteur de ton style et de ton panache. Aussi, j'ai entendu dire que ton mari pourrait être dans la campagne d'Iwashima. Je continue de demander aux gens, au cas, j'imagine au cas où. J'aime faire du cas où. Ta vieille amie, Olga. Et ensuite, nous avons visite de Furugawa, mais on les a déjà vus, les Furugawa, non? Bonjour de Furugawa, fais l'expérience des merveilles des grands espaces, tu peux maintenant faire une visite de la ville, découvrir les boutiques, visiter notre sanctuaire, t'imprégner des lieux maintenant disponibles à Furugawa. Yeah! Bon, pitchounette, t'as du courrier! Une lettre, tu dis? De la part d'Olga? Comme c'est gentil! Olga, des nouvelles des allées venues de Giovanni? La campagne d'Iwashima, tu dis? Oh. Ok. Nous devrions probablement aller jeter un coup d'œil. Depuis quoi? Une idée pour une maison? Pour moi? Comme c'est intentionné. Alors, je ne peux pas le cacher, Olga me connaît si bien. Oui, en effet, je serais très heureuse d'avoir un si beau repère pour y vivre. Et c'est toujours plaisant de savoir que quelqu'un pense à nous. Je veux dire, tu aurais pu y penser toi-même, bien sûr. Mais ne t'inquiète pas, je sais que tu es très occupée, Pitchounette. Être la Spiritfarer et tout... C'est bon, je t'en voudrais pas. Et je te connais, tu construiras cette belle cabine à bord aussitôt que tu pourras. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu es plein de ressources, après tout. Merci beaucoup, Stella, j'ai hâte. Attends, faut que je donne à manger. Bon, t'as pas faim. Toujours son problème de j'apprécie pas le tapage. Qu'est-ce qui se passe pas ici? Avec Gwen aussi. Ah, Gwen. Bon, tu nous fais quoi là, hein? Écoute, ça sera un choc. Mais je suis prête à partir. Ah, je me disais. Je ne peux plus me battre. Mais c'est bon. Je sais que tu es à mes côtés. Amène-moi au seuil éternel, là où tu as rencontré Caron. Je suis prête. Je crois. Bon, eh bien, je pense que... Allez. Eh bah très bien. Seuil éternel. Faut en profiter, hein. Une bouche de moins à nourrir. Je sais, je suis pas sympa. Une capitaine sentimentaliste. Ah, on peut se TP, je pense. Oui. Il y a un TP à côté. Hein. Voilà, c'est un pilier. Le même que d'habitude. Ah, magnifique. Est-ce que tu arriveras à dormir cette nuit? Oh, t'es dur avec moi. C'est hein. Vrai. Bon, alors j'imagine que le ventre sur pattes, là, il a faim. Oh, les côtelettes de porc, vraiment. Ah, il les veut, hein. Ces côtelettes.
Ah mais là ils sont tous les deux noirs par contre, les moutons. Je comprends rien à leur couleur. Change de couleur. C'est magique. Personne n'est fou ici. Alors, on a madame... Ah, elle a quelque chose pour moi, c'est trop gentil, qu'est-ce que t'as pour moi? Oh, elle a cuisiné quelque chose pour l'équipage. Une tarte aux pommes. Alors, juste comme ça, la tarte aux pommes, je crois que tu peux la donner qu'une seule personne, non? Oh, il le fait, comme c'est gentil. Ouais, on applaudit, oui, les enfants, oui. C'est pour les vrais capitaines. C'est pour les vrais capitaines du bateau. Hey! Mais de rien. T'as pas faim. Ah, ça y est, l'eau est rouge. On ne sait pas encore ce qu'elle est. Donc faut varier les plaisirs. Que dirais-tu? Curé de poisson. Ah, bon, elle aime pas ce qui est exotique. Non, c'est réglé. Exotique? Exotique, elle aime pas. C'est un type de plat? Oui. Je vais donner quoi? Le curry. Le curry de poisson, c'est trop exotique, elle kiffe pas. Dis non à l'exotisme. J'arrive, je sais que c'est pour toi. Voilà, c'était là. Voici venu le temps. Je voulais voir s'il y avait un truc particulier dans l'eau rouge. Genre des tomates. Des tomates. Il y a des concombres de mer, pourquoi pas des tomates de mer, hein? Une seule. Ok. 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 Vas-y, Sam. J'imagine que... J'imagine que j'attendais que ce moment arrive. Tôt ou tard. Vas-tu m'accompagner, mon ami? Ah bah oui, hein. C'est mon boulot, non? Merci. Ah oui, tout le monde vient. Ah bah, c'est quand même un moment important pour... Ah, c'est vrai que c'est très gentil. Ah, pardon. Nous sommes ici. Stella. Regarde. Je voulais te donner quelque chose. Je le cachais dans ma vieille boîte à musique. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a toujours paru comme la meilleure cachette. Voici. Mon vieux briquet. Je n'ai pas pensé à cette vieille chose depuis longtemps. Il fonctionne à peine. Je l'ai volé à père à 12 ans. S'il te plaît, utilise-le pour te souvenir de moi. Dans les temps heureux, comme dans les temps tristes. Car ils coexistent. Ils sont emmêlés. Si tu devais apprendre une seule chose de moi, que ce soit celle-là. Bah go, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Rame, humain. Comme ça, je ne peux pas m'échapper, n'est-ce pas? Je suis ici, maintenant. Tu me connais, je ne suis pas de ceux qui vivent dans le passé. Principalement parce que ça m'a toujours écrasé. C'est comme une vague de ressentiment. Mais en ce moment précis, je me demande si j'ai déjà essayé d'entrer en contact avec les autres. Je n'en suis pas certaine. Mon opinion n'a jamais changé. Tu sais ce que j'ai toujours dit. Que les gens viennent et partent, mais ne font pas attention aux autres. Ils ne font jamais vraiment attention. Leurs vies se poursuivent en parallèle les unes des autres. Se frôlent dans le meilleur des cas. Mais bon. Ce sont des foutaises. Je le reconnais maintenant. Tu en es la preuve. Pas seulement toi, maman aussi. Elle faisait attention. À sa manière. Et les autres ici en sont aussi la preuve, même dans des circonstances. Je ne sais toujours pas pour ce qui est de père.
Je devrais probablement lui pardonner maintenant. Trouver la dernière parcelle de force en moi. Est-ce que cela ferait de moi une meilleure personne? Est-ce que cela ferait une différence? Peut-être. Mais, après tout, je pense que je m'en fous. Et que ça ne compte pas. Parce que j'ai eu ma meilleure amie à mes côtés. Je t'ai eu. Tu es une personne merveilleuse, Stella. Ma vie n'aurait pas été la même sans toi. La lumière que tu m'as montrée a été plus qu'une balise. Elle a été un guide. Mais j'ai été trop aveugle pour la voir. Mes lunettes, trop opaques. Ok, allons-y. Je ne peux pas attendre plus longtemps. T'auras jamais autant ramé. T'es con. Merci, Stella. Merci de m'avoir emmené ici, même si tu ne le voulais pas. Merci pour le coup de pied aux fesses et pour avoir secoué mon ego. N'oublie pas que je t'ai aimé le plus que je pouvais. Au revoir, mon ami. On se voit là-bas. Oh. Et moi ? C'est ce que j'allais dire, le chat ! Lui aussi, il veut faire le câlin. Que du coup, elle verra Caron en short de vacances. T'es con. À la retraite. Avec une bouée canard dans un bassin. Waouh. C'est sa constellation. Oui. Ah. Pardon. Ah mais où est-ce qu'on est maintenant? Oh. Oh. Ah non, c'est bien de l'eau. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Fallait faire quelque chose, j'ai pas compris. Ah, fallait peut-être faire quelque chose. Attends, on verra au prochain papillon, je sais pas, j'ai pas... En tout cas, ils ont bougé. Oh. Ah, c'est des images, il y avait une image en bas qu'on n'a pas vue aussi. Ah, d'accord. Ah oui, je la vois maintenant. C'est des images de la vie de Gwen. D'accord. Là. Comment là, on a fait pour la rater l'image? C'est un repas de gens contents. C'est un repas de famille. Genre un barbecue. Parce que c'est la manière avec laquelle elle est morte aussi. Là. Là ils font du vélo. Ils font du vélo. Ils s'en vont faire du vélo. Les gens font hihi, au revoir. Quoi? Alors qu'un hibou. Et que fait le hibou? Ah je sais pas. D'un coup j'ai des arrière-goûts de. Voilà, c'est ça exactement. Je vois ce que tu veux dire. On boit des verres. Donc ça doit être Stella. Ah, c'est des souvenirs de nous deux, en fait. Bah, je pense que c'est des souvenirs de Gwen. Ouais, parce qu'en fait, il y a que deux personnages, il y en a un qui est jaune et l'autre qui est rouge, et les autres, ils sont tous gris ou noir. Du coup, je me demandais si... Oui, parce que toi, t'es importante pour elle. Ouais, et du coup, je me demandais si... Je pense que là, c'est Stella et Gwen. Ah, d'accord, oui. Je suis Stella, c'est vrai. Oui, oui tu es Stella. Oui. Oui. Oui, dans une vie, t'es l'un, dans l'autre vie, t'es l'autre. Oui, en fait, bon. Oh. Bonjour, vous faites peur un peu quand même. Bah alors, on se rencontre enfin.
face à face. Je te regarde depuis si longtemps, Stella. Si près et si loin à la fois. Tu as gardé tes distances. Mais tu savais que j'étais là. Caché dans chaque ombre. Me glissant furtivement dans chaque silence. Depuis le début, je suis une partie de toi. Même lorsque tu tapes le micro, mon existence n'était que pensée lointaine. Même lorsque les gens que tu aimais te couvraient de soins et d'affection, j'attendais, silencieusement, tes joies, ta fierté, ton bonheur, les moments de rire, de félicité et d'amitié. Évanoui, je me souviens de ce sentiment comme si c'était hier. Mais le sablier s'est renversé. Et enfin, tu m'as trouvé. Pour l'instant, comme je ne suis pas tout à fait réveillé, retourne à tes occupations. Continue ta gracieuse danse. Nous nous croiserons bientôt. Encore bientôt. Spiritfarer. Première rencontre. Donc soit, en effet, c'est des souvenirs de Stella qui sont en rapport avec Gwen, soit c'est des souvenirs de Gwen qui sont en rapport avec Stella. Bon, si les deux sont connectés, de toute façon, quelle différence pour le moment. Exactement. Alors, on nous a laissé quelque chose. Oh, comme c'est joli. Une fleur d'esprit. Je crois que c'était un élément où on avait besoin pour faire une structure. Donc j'imagine qu'à chaque fois qu'on va s'occuper... d'une âme jusqu'au bout, on gagnera une de ces fleurs et donc elles sont très importantes. D'accord. Là, c'est un truc sous le canapé. Ouais, j'étais en train de me dire, il y a une araignée sous le canapé ou un truc comme ça. Parce qu'elle a vraiment fait. Et du coup, je suis en mode, ouais, j'ai un truc sous le canapé, mec, je veux le savoir. Regardez. Il y avait une grosse araignée la dernière fois et je vous en trouve, elle venait de sous le canapé. Peut-être. J'arrose des trucs avant. Pardon, je suis désolée. Bon, là, je suis pas sereine. Je récolte tes trucs aussi. J'écoute les bruits. Tu vas pas entendre des pattes d'araignée si jamais c'est ça. Ah non, mais si par contre c'est une souris, j'entendrais peut-être coui, coui, coui. Ah, par contre, une souris, ce serait plus inquiétant en effet. Voilà, chacun son truc. Mais après, une souris serait quand même beaucoup quoi. C'est pour toi moi que je vérifie. Hein. Oui, bah là tu vérifies pas vraiment, t'essaies d'entendre. Mais... c'est bon, c'est arrosé, on peut terminer la session. Pardon. C'est parti. On verra où est-ce qu'on ira la prochaine fois. Je me mets à côté de toi. Ah non, mets-toi là. Ou on te verra bien. Un câlin. Si tu veux. Voilà. Allez, arrête de regarder sur le côté et appuie sur les boutons. Tout va très bien se passer. Au revoir, au revoir. On va regarder ce que le chien a trouvé sur le canapé. On va sortir et voir ce qu'on peut trouver. Et si vous ne voyez plus jamais de live de notre part, c'est qu'il y a eu un souci. C'est que l'araignée nous a bouffé. C'est que le canapé nous a mangé. Voilà, du coup, la suite de Spiritfarer, c'est samedi, comme d'habitude. Oui. Bye bye. Des bisous.